tous les formateurs n'avaient pas un matériel adapté, donc il a d'abord fallu prévoir que chacun ait un ordinateur avec une webcam par exemple, une connexion internet suffisante. Tous les outils ont planté ou bugué au moins une fois, donc il a parfois fallu prévoir un plan B en quatrième vitesse, mais on s'en est toujours sorti et toutes les formations ont eu lieu dans des bonnes conditions. Ça a apporté qu'on est en fait en capacité à Formaform de pouvoir présenter différentes modalités, c'est-à-dire des formations à distance, on est en capacité de faire des webinaires, des e-conférences. On a pu tester des choses et voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Planifiez tous les événements, prenez contact, un contact préalable avec vos participants, envoyez les liens, envoyez que ce soit avant ou après la formation. Être à deux, comme ça s'il y a un bug, l'autre formateur peut reprendre le flambeau ou aider à résoudre le bug. Être à l'aise. Faire une répétition générale la veille, comme ça tout le monde sait ce qu'il a à faire et c'est vraiment plus facile. Pas avoir peur, se lancer, et on a le droit à l'erreur. Ouais, quand on fait des erreurs, on apprend aussi.